dis donc, j'ai pas vu les prototypes. Ah bon? Je peux en voir. Mais oui, il y a des images. Ah, super, on va au musée. Oh, mais les assiettes bougent. Mais c'est merveilleux. Comme c'est passionnant, les assiettes vivent. Ici, ah, regarde, ouais. Super code. Super. Désormais, vous pouvez venir me voir au musée. Voilà. Saurez-vous imaginer une installation pour permettre aux visiteurs de s'immerger dans nos trésors cinématographiques? J'ai navigué sur le Léman de 1926 à 1974. Musée au Mix, deuxième jour. L'objectif du jour, eh bien, c'est d'arriver jusqu'au crash test déjà à 16h et c'est également de pouvoir à 18h faire une présentation du prototype et de pouvoir l'expliquer clairement en plénière. Prête à enchaîner la journée, curieuse et impatiente. Voilà, super positif. Motivé. On a une bonne énergie. Alors pour les bénévoles, on est une soixantaine, donc c'est un peu l'iceberg, on est la partie dessous là. Oh, bah, c'est-à-dire qu'il faut aider les gens simplement à travailler ensemble, à avancer. Le symbole, c'est un peu de mettre de l'huile dans les rouages finalement. On commence à avoir des aperçus de ce qu'ils veulent réaliser. Et puis dans le saut, il va se passer différentes choses, donc on a cette fameuse dalle percée. Mm-hmm. Tout est possible, tout je sais pas, mais presque, en tout cas pour l'instant, oui. D'accord, donc sous la structure, passe à travers les pores du mortier et ça devient le chauffage au sol. C'est l'heure du crash test. Alors en fait, il faut aider Arlette la chouette qui a perdu ses petits, donc on va aller au grenier. Qui veut avoir la lampe magique? Non, moi. On s'est fait notre propre crash test et là on est face à un problème. Ça a été douloureux, mais on va trouver une belle solution. On a déjà un truc là pour César, qu'on a filmé ce matin. Et déjà un petit résultat, un sneak preview on dit. C'est encore 2-3 trucs pour eux, pour finir. Et moi j'ai de confiance pour ça. Affaire à suivre.